Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi, on va faire plusieurs battues dans plusieurs endroits différents, dans l'Ain ou en Côte d'Or, et vous allez y voir beaucoup de sangliers, quelques chevreuils, des cervidés, le tir et le prélèvement de plusieurs animaux, et surtout restez jusqu'à la fin parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il me semble que celui-ci était plutôt bien annoncé, il m'arrive droit dessus, mais il me voit sur mon mirador perché. Il décide de longer. Il va sortir vers mon voisin. Ici, je vous présente Rico tire pas droit. Donc, je tire 4 balles. La première, elle est à peine au-dessus, elle lui frôle vraiment le haut du dos. La deuxième et la Putain, pas troisième possible. complètement à la ramasse. Et la quatrième, elle est encore un peu haute et vraiment, elle lui frôle le haut du dos. Sur la première, je pense que je lui touche vraiment le haut des poils parce qu'il y a une petite réaction quand même au moment du tir. Mais j'ai pas été bon. Toujours un moment magnifique de pouvoir voir. De si près des cervidés, c'est vraiment stupide. Mais il n'était pas au plan de chasse du jour. Un joli poste où mon voisin tire une chevrette. Elle se dérobe, et là c'est pas un tir très difficile, mais je lui mets une belle balle plein cœur, je vois tout de suite qu'elle prend plein cœur. Avec la caméra fixe, je trouve que ça fait vraiment des belles images et elle a fait une quinzaine de mètres avant de tomber. Ici, une battue où on était vraiment postés les uns à côté des autres, donc c'est toujours un peu délicat. Un joli sanglier arrive, il est tiré par mon voisin, il trouve la force de traverser la ligne. Ouais, j'ai Mon vu, oui, voisin j'ai vu. m'annonce que le sanglier était blessé, mais bien évidemment, ça se voyait, il avait pris une balle de poumon déjà à la première. Ouais, j'ai Un vu. joli mâle de 72 kilos. Ici, je n'ai aucun voisin de poste. C'est pour ça que je me permets de prendre la visée à cet endroit-là pour identifier l'animal. Et en fait, ce matin-là, on avait le droit de tir du brocard de préférence. Et là, la chevrette, elle me passe vraiment sous le mirador, on ne peut pas faire plus proche. Je n'avais jamais réussi à filmer un animal d'aussi près. J'entends beaucoup de bruit et ça monte droit sur ma direction. C'est pas ce renard qui fait tout ce bruit. Et voici une belle compagnie de sangliers qui traverse avec biche, faon et bichette. Ils passent à 50-60 mètres dans la traque et moi j'ai un droit de tir à 20 mètres, 25 mètres maximum parce que là c'est pas hyper fichant, ça devient dangereux donc je vois les sangliers passer mais c'est tout.
peine arrivé au poste, j'essaie de connecter mes GoPros, ça ne fonctionne pas, et là j'entends un animal arriver. Je décide de déclencher la vidéo et ça me fait qu'une photo parce que ma GoPro était sur photo, donc j'ai qu'une seule photo. Mais je vous explique tout dans un instant. 10 minutes après cette photo, j'ai une chevrette qui se dérobe et qui sort de la traque. Donc elle me passe à 15-20 mètres en toute quiétude. Au moment du tir, je vois tout de suite que la balle est logée dans l'épaule, cœur. Je sais qu'elle n'ira pas très loin. Je suis sûr qu'il y est. La Hein. fin de battue est sonnée, je pars à Je la suis sûr qu'il y est. recherche Hein. du sanglier que j'ai tiré à 3 reprises. Je suis sûr qu'il Je l'a sais pris. qu'il Hein. est gros. Je vois pas de sang là pour l'instant. Je sais pas où il passe. Hein? De toute façon, pour moi, s'il est tombé, il est tombé en bas là-bas. Pour moi, il est tombé là-bas. Hein? Ah oui. Plus je me rapproche et plus je vois que le sanglier a vraiment une taille imposante quand même. Oh là là! Oh là là! L'émotion toujours de découvrir un beau sanglier. Ah, c'est un beau! Mais j'ai vu le pinceau, j'en étais sûr! Ah, magnifique. Il a la défense cassée. Il a la défense cassée de ce côté. Ah, il l'a de ce côté. Putain, comment il est beau. Ah, mais j'étais sûr. GG! Un gros! On va avoir besoin de toi. On va avoir besoin de toi. Bah il est gros. Hein? Ah, un bon 100 kilos. 109 kilos pour être précis. Hein? Ah, je suis content. Putain. Il y a des défenses. Elle, mon pot. Tout le long. Je la vois, je dis qu'elle va arriver devant un haricot, elle va traverser. Là. Ah bah elle a traversé. Finalement, ce sanglier aura pris mes 3 balles. La première, c'était une balle d'oreille, mais haute en fait, une balle d'apophyse, quasiment. La seconde, une balle de groin qui lui casse la défense. Et la troisième, une balle plein coffre. Et avec la balle plein coffre, il a fait 10-15 mètres avant de s'effondrer. Et encore merci à Cartouche Sologne, GPA, de me suivre dans mes aventures. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt.